Des fois, dès que ce bolet sont sous, il fait noir et biste de la province d'Al-Dawadimi. Alors la scène a répété de la région Afif Ariad, citoyen à 220 km et 380 km à l'est de la capitale saoudienne. Alors l'Arabie Saoudite a annoncé qu'un attentat terroriste a visé Bledo et station de Bomba sur un important Bayiblin transportant du pétrole d'est au nord-ouest, ce qui entraîne de l'arrêt du bombage du pétrole. Le ministre saoudien de l'énergie, Khalid Al-Faleh, considéré cette attaque comme une attaque terroriste, a été conduit par la milice de l'Houssaya soutenue par l'Iran. Après l'annonce de sa responsabilité de l'incident, un porte-parole de la milice de l'Houssaya, Mohamed Abdesalam, a déclaré que le ciblage des installations saoudiennes était prise par des avions et qu'elle agissait de réagir aux crimes ou au siège au Yémen. Un porte-parole de la milice d'Al-Houssaya, par son compte Twitter, a déclaré que la processus de ciblage d'installation saoudienne vitale a été mise en place en réponse à l'agression de la perpétration du crime de génocide au siège de tout le peuple. Alors il n'y a pas d'autre choix pour notre cher peuple que la défense de lui-même. Le Bayiblin vit environ 1200 km de long et traverser au moins 5 millions de barils de pétrole par le jour de la région orientale riche en minerais à la région occidentale de la côte de la mer Rouge. Le Bayiblin permet au royaume saoudien et de l'exporter par le biais du bord de la mer Rouge, loin du golfe et du détroit de Hormuz. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran intensifiées dans cette région.